Pourquoi aujourd'hui on est à Nonrojo, à Saint-Jean Merveilleux? Pourquoi? C'est pas évident. Il fait très très froid. Et moi j'ai particulièrement froid, donc il fait froid. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait aujourd'hui on a organisé le brunch de la maison. Et en gros, deux fois par mois, on organise un brunch avec toutes les filles qui... Enfin avec les filles qui voyagent à Rio en ce moment. Et donc on les invite chez nous, on leur offre un petit déj, machin, on danse, on rigole, on parle, on se rencontre. Et les filles peuvent se rencontrer. Donc c'est vraiment cool. Et donc c'est chouette pour ça. Voilà. Donc c'est une bonne journée. Ça commence très bien. Il est midi, je me lève, je vais me mettre au travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Et également, qu'est-ce que je voulais dire? Et également, j'ai envie de faire la douche. Donc je vais aller prendre une douche brûlante parce que j'ai froid. Bisous. À tous ceux qui se perdent par amour, à tous ces cœurs qui tiennent par amour, à toutes ces femmes qui restent par amour. E Salus é muito boa pra fazer isso. E Salus, olha. Eu tô cheia. Tu vai ver todos os teus defeitos. Ai, eu é boa, né? Eu quero tirar minha sobrancelha. Aham, vou deixar pra você. Muito bom. Eu tenho cabelo branco pra caralho. Sério? 38 chegou finalmente. Mas tá tudo bem, chegou pra 38, tá? O cabelo branco agora que apareceu? Meus primeiros da vida, tá aqui. Primeiros da vida. Tem um inteiro aqui. O aqui. Sério? Eu sou veia. Isso aí é agora você pode me chamar de veia. Eu ainda não tenho. Mas eu acho que não tem muito como ver porque meus cabelos tá leve. Não é leve, claro. Mas com esse espelho nada fica escondido. É. Que merda! Será que eu tiro tudo? Pra quê? Sabe que eu sou o que? Eu vou assumir. Eu não vou fazer coloração, blá blá blá. Vou assumir o meu cabelo. Sim. Você também vai assumir? Sim. Ah. Não, você faz coloração de cor. É. Tipo, mas eu não tenho problema nenhum em deixar ele assim. Uhum. Tipo, ai, tá branco, tenho que pintar. Eu tô veia. Você viu que eu tenho manchas de veia essa aqui? Tem como ver quando a gente me olha que eu tenho manchas aqui? Só se você faz assim. Mas não é isso, é manchas. Eu acho coisa de sol. Eu acho que o sol fez algumas manchas aparecer aqui no meu rosto. Mas sabe que eu tô... É uma realidade que eu tô envelhecendo, mas eu tô gostando. Isso é o pior. Que eu estou super ok com essa coisa de cerveja. Bom courage, hein? Faut du courage, hein, pour se voir de si près, là. Bon, là, il y a la famille de l'ancienne propriétaire qui est décédée, qui passe à Rio, m'a demandé si vous pouvez visiter la maison. Du coup, bien sûr, j'ai dit avec plaisir. Je leur ai même fait un gâteau au chocolat. Hey, coucou, la famille. Il est 3h du mat, je viens d'entrer de soirée. J'ai passé une soirée tellement marrante. Une journée marrante. Je crois que j'ai pas filmé. En fait, aujourd'hui, ma journée, j'ai eu la visite de la famille de l'ancienne propriétaire qui est décédée. C'était très émouvant. Aïe, ils étaient une dizaine, ils ont visité toute la maison, j'ai tout expliqué. Oh putain, il fait très très froid. Mais ce qui n'empêche pas que toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Il fait très très froid. J'en ai fait tout visiter, on a beaucoup rigolé, beaucoup parlé, machin, c'était vraiment cool. Après ça, j'ai beaucoup travaillé. Travail. Et après ça, avec Lorraine, on est sorti. Et en fait, à Santa Teresa, il y avait des portes ouvertes. Les portes ouvertes, ça veut dire Santa Teresa, c'est mon quartier. Et les portes ouvertes, c'est une fois par an, pendant 3 jours,
En fait, les habitants du quartier, comme c'est un quartier, on a un quartier d'artistes, on a le quartier historique, machin, et ben les habitants, ils ouvrent leur maison et t'as plein d'artistes et des pas artistes qui font, ils font des fêtes chez eux, ils font des activités, des ateliers, des machins. Et t'as les artistes aussi qui ouvrent leurs ateliers. C'est assez incroyable, c'est génial, ça permet de rentrer dans les maisons, de voir... Désolée pour la lumière, de voir les maisons des gens et tout, c'est trop trop bien. Et donc, avec Laurent, on a été, c'était trop bien. On n'a pas réussi trop à rentrer dans les maisons parce qu'on était tard, mais on a rigolé, on s'amusait, on est parti dans la rue, on a vu des sambas dans les maisons des gens, on a mangé, tout ça, tout ça. Après, on a été à un concert, c'était génial, on a beaucoup, 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 beaucoup dansé. On a dansé sans s'arrêter de 10h30 à 1h30, 2h. Et on n'a pas arrêté de manger pendant toute la soirée. Bref, c'était une très bonne soirée. Ça m'a fait du bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. Hein. Ça fait longtemps que je ne me suis pas amusée comme ça. C'était trop agréable. Trop bien. Trop bien. Trop bien. J'ai... Attends. Aïe. En fait, ma truc là d'eau, comment ça s'appelle ? Truc qu'on met l'eau chaude pour dormir. Elle était pas bien fermée et elle s'est renversée dans mon lit. C'était vraiment une excellente soirée. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir plein d'humains, d'entendre la musique, de danser, de sortir, de vivre. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour me re-remplir. Je te disais ces derniers jours que je me sentais vide et j'avais vraiment besoin de ça. Voilà. Ça m'a rappelé quand je suis arrivée au Brésil, les premières sensations, la musique, la danse. Fermer les yeux et juste écouter les instruments. Juste regarder les femmes brésiliennes danser. C'est drôle comment on s'habitue aux choses en fait. Et il faut qu'on arrête de les faire pour se déshabituer. Pour se rappeler à quel point c'est merveilleux. Je crois que dès qu'on se sent un peu habitué au blasé de quelque chose, on devrait arrêter. On devrait l'enlever de notre vie pendant un certain temps. Et même en amour, tu vois. Si à un moment on se sent un peu blasé de notre mec ou de notre meuf... On fait un truc loin de la personne, on part en vacances seul pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ça nous permet de nous rendre compte à quel point la personne est exceptionnelle. Tout comme la vie et le Brésil. Bon allez, il faut que je dorme. À demain. Ciao.